Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. Cité universitaire de Belleville à Bobo-Dioulasso, région des Hauts-Bassins. Étudiants et autorités administratives à pas de course pour visiter les réalisations en cours le 4 juin 2018. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur n'entend pas se contenter des rapports transmis par les techniciens du chantier. Le professeur Alkassoum Maïga a fait le déplacement de Bobo. Objectif, s'assurer en compagnie des autorités régionales de la qualité de l'ouvrage qui sera mis à la disposition des étudiants dès la rentrée académique prochaine. C'est une promesse du gouvernement et le premier ministre avait procédé à la pose de la première pierre de la seconde phase de la construction de cette cité universitaire en mai 2017. Et déjà, un ouvrage imposant en finition. D'un coût de plus de 8 747 millions de francs CFA, la seconde phase du projet de construction et d'équipement de cette cité universitaire prévoit une série de réalisations. Il faut dire que le travail comprend trois pavillons d'hébergement, des bâtiments annexes qui sont donc le centre d'écoute, le cabinet dentaire et l'extension du restaurant R+1. Maintenant, chaque pavillon d'hébergement a ses ouvrages annexes qui sont les buanderies, les parkings, les latrines extérieures. Chaque pavillon a une capacité donc de 504 lits. Nous en avons trois. Nous allons assurer avant le délai. Côté gouvernement, l'on est satisfait de ce qui est déjà réalisé. Ça frappe à l'œil déjà. Tout celui qui traverse la ville de Bobo de ce côté-là, il voit déjà comment ça poussait très vite. On nous a annoncé un taux d'exécution physique de 70%, ce qui est très appréciable. On a aussi l'espoir d'ailleurs de finir avec le chantier avant les échéances fixées puisque c'était prévu pour finir en novembre 2018. Mais quand vous avez des acteurs qui sont rendus à ce niveau et qui vous disent que d'ailleurs on aura le chantier largement avant cela, on va avoir nos infrastructures, je pense que il y a des motifs de satisfaction parce qu'on va passer à 2520 lits pour cette cité, ce qui est un effort. Mais aussi profiter de cette occasion pour remercier les bailleurs de fonds qui nous accompagnent et puis dire qu'on compte encore sur leur accompagnement pour qu'au niveau du Burkina Faso, les étudiants retrouvent des conditions appréciables d'hébergement, ce qui va améliorer les conditions de vie et d'études. Il est également prévu des infrastructures complémentaires capitales en termes d'accompagnement et d'encadrement des étudiants pour une bonne insertion sociale. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est vraiment offrir à nos universités des centres spécialisés donc de soins au profit des étudiants et qui pourront éventuellement servir de cadre de formation. Ici, ce qu'on a voulu faire dans le cadre donc, de la mise en œuvre de ce projet, c'est prévoir justement ces centres-là, ces centres de récupération, d'accompagnement des étudiants, et des centres qui vont rester à l'écoute, n'est-ce pas, et qui vont servir de cadre pour la sensibilisation, pour le changement de comportement. Ça, c'est le premier centre qui va s'occuper des aspects psychologiques, n'est-ce pas, des étudiants. À côté de ces infrastructures, il y a ces infrastructures donc, de soins curatifs et spécialisés, tels que le centre bucco-dentaire. Un accent particulier sera également mis sur la récupération des eaux usées. C'est des infrastructures qui sont faites, n'est-ce pas, pour dialyser, c'est-à-dire purifier l'eau usée. Donc, par exemple, ces eaux qui seront traitées pourront être utilisées, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, entretenir les gazons, les espaces verts et même usage domestique parce que c'est des eaux qui sont vraiment traitées de façon conventionnelle. Ce joyau en finition ne laisse pas indifférents les principaux bénéficiaires. Auparavant, les salles de dortoir étaient en manque ou insuffisantes. Et, bon, moi, précisément, je ne suis même pas en cité. Vu cette année qu'ils sont en train de construire plus de salles,
de dortoir. Donc moi vraiment j'apprécie cette initiative là et j'aimerais en tout cas que ça finisse avant la rentrée de l'année prochaine pour qu'on puisse intégrer beaucoup et améliorer notre condition de vie. Le projet est à féliciter. C'est un immense plaisir pour nous de savoir qu'il y a un suivi vis-à-vis du gouvernement et savoir aussi qu'ils sont en train de œuvrer pour la bonne marche des études des étudiants, bien sûr, parce que sans citer l'université, nous savons très bien que la majeure partie des étudiants n'ont pas les moyens. Maintenant, s'ils viennent ici, si l'État songe à les octroyer des cités universitaires, franchement, cela est à féliciter et encourager. À l'issue de la visite, rencontre d'échanges directs avec les étudiants et le personnel administratif. Et ce ne sont pas les préoccupations qui manquent. Nous aimerons à ce que le gouvernement songe à construire aussi des amphis. Il y a des promotions qui sont confondues. On a du mal à se présenter, d'autres disent c'est 0, c'est 1, c'est en 30, ou bien c'est en cours de téléchargement. Tout ça, c'est le problème du système qui se pose. Il va falloir qu'on construise plus d'amphis et engager ne serait-ce que le personnel, former plus de personnel, plus de docteurs pour qu'ils puissent nous octroyer une formation de qualité. Des infrastructures, il y en aura davantage. Et pour preuve, le professeur Alkassoum Maïga a bouclé sa journée par la rencontre d'autres étudiants de la cité de Sia et la visite de nouveaux sites. Et cette fois-ci, un amphithéâtre est le site de l'université virtuelle en gestation. Bâti sur une superficie de 20 hectares, la cité universitaire de Belleville de Bobo est un cas de corps qui inspire le gouvernement pour d'autres universités du Burkina. Prochain défi pour nous, c'est de démarrer le projet de Koudougou parce que nous envisageons faire la même chose à Koudougou. À Ouaga 2, ça est déjà en cours d'exécution. Le chef de l'État a lancé les travaux en janvier dernier, ça s'exécute très bien. Donc notre prochain grand défi, c'est commencer le même projet à Koudougou en fin d'année 2018. Et également, nous avons des projets qui sont en recherche de financement, notamment pour les centres universitaires qui sont déjà créés, FADA, Ouégua, Didougou, Gawa, Kaya, Dori et Tinkoudougou.